Juan Roberto a deux passions, le vin avec le Mazet des Crozes, mais aussi le cinéma. La dernière goutte, son court-métrage, a été primé au festival Oneo Video de 2010. Pour l'organisation de Barrico Treto, ce dernier a fait appel à François Doré, homme de théâtre. Tous les deux se sont confiés à notre caméra pour une deuxième édition qui aura permis une augmentation du public pour la scène de Gajan, dont le succès d'année en année se confirme. Ils sont là, alors ils se sont dit, bon bah l'année dernière, c'est vrai, l'année dernière, il y a eu la première édition qui a été magnifique. Parce que t'en penses, Renaud, hein, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal, d'accord. Alors, bah, cette année, ils sont revenus. Enfin, moi, je l'explique comme ça, hein. Possible. Ouais. C'est possible, hein. Puis bon, bah, il y a quand même, il y a des, bons vins aussi. Ah oui, au niveau vin, oui. Il y a des bons vins. Hein. Il y a des bons spectacles. Ah, au niveau spectacle, il y a oui. Des bons spectacles. Il y a des bons concerts. Ah oui, les concerts, oui, d'accord. Ouais, ça, ouais. C'est bien. Hein. Ouais. Ça, les concerts, c'est bien. Hein. Demain soir, après-demain soir, il y a des trucs très, très bien. Hein. Et puis, alors, on risque rien. C'est vrai qu'il y a de la, sécurité. Enfin, de la sécurité. On est bien, quoi. Ah oui, sécurité, c'est vrai que... Moi, je l'explique un peu comme ça. Alors, on vous a. Paul, on est 32 cette année. On est, voilà. Ça fait une équipe de 32 personnes, entre les gens qui gèrent le bar à vin, la cuisine maison, les spectacles, les techniciens, les chauffeurs. Il y a beaucoup de choses, hein, c'est pour ça. Hein, parce qu'il y a des choses aussi à la cave, quand même. Y a, tous les après-midi, il y a deux spectacles à la cave. Alors, il faut du monde. Hein. Puis alors ici, bon, bah, forcément, voilà. Il y a l'exposition de Claude Merle. Il y a le spectacle pour enfants. Voilà, l'exposition de Claude, ouais, le spectacle pour enfants quand même. Tous les jours, hein, 17h, 19h. Bon. Et puis sinon, hein, je vois pas qui se doute. Hein. On est plutôt pour l'ouverture quand même. Ouais. Plutôt pour l'ouverture. Hein. Alors il y a beaucoup de gens du coin, d'accord. Mais il y a aussi, ça vient un petit peu de toutes parts hein, quand même. Ouais, ce qu'on entend là, c'est le trio d'été. Trio d'été, c'est trois musiciens qui se sont rencontrés à Lyon, au Conservatoire de Lyon. Un pianiste, Camille Touvenot, qu'on suit, qui est un peu le musicien officiel du festival. On le suit parce que... Il fait partie du canal historique, hein, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et voilà, ils ont monté ce groupe cette année. Et voilà, voilà. Trio d'été. C'est de, ouais, le but, c'est de mélanger le spectacle et le vin. Le monde du spectacle et le monde du vin, qui sont plus proches qu'on ne le pense. Voilà, c'est ça le but, c'est de garder un esprit convivial, voilà, c'est familial, tout le monde se régale et voilà. Il y a une histoire de collectif aussi, c'est-à-dire que nous aussi on s'amuse à faire ça, hein. Ça nous fait plaisir, hein. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas le plaisir derrière, on ne le ferait pas. Donc il y a le public, je crois, sans ça. Et ouais, voilà, il y a là, le côté convivial. Le but, c'est le plaisir. Le but, résumer, c'est le plaisir. Voilà. Le but, ça, c'est le plaisir. Ça, c'est très bien. Il faut que je le note, ça. Ça, c'est très, très bien. Hein.